Oh la galette rotative. Oh la galette rotative. Comment elle va? Late Apex, ça va bien ou quoi? Même si c'est mon blaze. Bonsoir, bienvenue sur le stream. Bienvenue à tous. Ce soir, on se retrouve pour le cast de la Lixie et de la VMV. Ce soir, je suis tout seul. Mon compagnon de base m'a abandonné. Non, il est absent ce soir, je sais même plus pourquoi, je ne vais pas regarder encore. Ça va la galette rotative. Bah parfait, c'est la galette rotative. Bien, bon, ça va. Hein. J'ai encore des problèmes de pouce. J'ai des petits problèmes. Tu vois, là, je peux pas plier plus. Alors qu'un pouce, normalement, ça se plie comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Un pouce, ça se plie comme ça, frérot. Tu vois? Et moi, eh ben, je peux pas le plier plus que ça. Ça me fait mal. Mais sinon, ça va, on est là. Hein. On est là, on est là. Et du coup, cinquième manche de la Ligue C de la VMV. Avec un classement des plus intéressants, avec notre favori au départ, merci, merci Galette. Notre favori au départ, Pain de Mie, qui a dégringolé un peu au classement, malheureusement, avec ses bans de qualif, qui n'a pas su faire la différence en course, même s'il décroche un podium solide la semaine dernière. On retrouve quand même Tex, leader du championnat. Non, t'as pas retrouvé pour caster, mais pour streamer. Pour jouer à F1, franchement, avec un pouce gauche, franchement, et pour jouer au FPS, clavier souris, avec un pouce gauche, franchement, c'est bien. Je sais pas si tu vois, la semaine dernière, j'ai même pas streamé. Démon gauche. Mais bon, TXP1, avec Guillou, très bonne performance. Pilote Ferrari qui se passe en deuxième position du classement au général de cette saison 9. Et on a DC Sparta pour compéter. Le podium du championnat et pas un IP4 juste au pied du podium avec Infinity The Toto qui est 5e pour compléter le top 5. Bah, la P1 et la P2 c'est pareil de 9 points. Ensuite, pour aller à la P3, faut 22 points. Alors là, il reste encore 5. Mais quelle va être la suite des événements alors qu'il Et la qualification a commencé. 18 minutes de qualification, 50% de la distance à parcourir. IRL. La scène, elle a été fixe. Justement, c'est ce que j'ai fait. Il y a un peu de changement, mais ça ne servait à rien. J'arrive. Regardez-moi. C'est parti! Alors, il y a Jacques Alex qui sort des stands, alors qu'il y a Atom 84 qui a dû prendre un ban qualif, il a été disqualifié. Le pilote Williams, si je ne dis pas de bêtises, Tex est également. Tex, il va faire un prononcé. Tex, hein, c'est parti pour Tex qui est en médium, le pilote Alpine. Oh, merci pour les bits. Oh, grave. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup, frérot, pour tes 5 bits. Ça fait énormément plaisir. La support. J'ai pas le. Bienvenue Raph sur le stream, j'espère que tu vas bien, mais Max. Terre. Oh, Max, ça. Ah. Ça, c'est ton objet. Malheureusement, c'est pas la mienne. Même Galette, il avait. Tex, il fait un bon temps hein, pour l'instant. J'ai pas vraiment fait gaffe, mais j'ai l'impression que le temps est solide. Allez, Jaka et Mag. Alors, Team RB pour Morzak08. Bienvenue sur stream, Morzak. J'espère que tu vas bien, frérot. Hey, merci. Les 9 bits supplémentaires, Raph. Oh là, les Georges. Ouah, c'est quoi ce retournement de veste là? Alors que Tex va être le premier à franchir la ligne de cette séance de qualification en une 10-142, le pilote alpine. Actuellement leader du championnat, mais il faut pas oublier, il est en médium. Bah, bon, on va attendre. Et au Maldives. Inch'Allah frérot, on est 10, on est tous sur le stream. Morzak. Bah. En une 5.
Microsoft, le pilote AlphaTauri, tout amélioré. Et alors que Galette Motive, FC Alfa Romeo, Team Alfa Romeo. Tant qu'ils sont en train de tomber, hein, alors que Promi est arrêté au premier virage. P4 pour Promine. Alors une 11-0 pour Skrig. 0-9-6 pour Klenanić. Enfin, je crois que c'est un réserviste. Le pilote McLaren. 0-9-6. Alors que Tex est en 10e. Passé sous la minute 10. En médium, le pilote Alpine s'est fait. Une 0-9-9. Jacques Alex pour l'instant P3 en une 10.7. Skrig. Mercedes, premier pilote au-dessus de la minute 11-0, 11-1 pour Promi en tour de rentrée. Nix Vixi en 11-3, mais en amélioration de 5 dixièmes à l'issue du second secteur. Le pilote McLaren fait un bon temps pour l'instant. Margaret qui a fait un tour d'installation ici à la dernière chicane, et ça se passe bien pour le pilote McLaren. Ça va être une quatrième position provisoire en une 10.6. Skrig a également amélioré un 10.3. 10.7, ça commence à descendre sous la minute 11. Il y a en 12-0. Le Ferrari. David, 11.8, qui vient de se passer sur le passé à P10. Et Kepeda aussi, hein, bonne performance. De Wolves Kepeda qui vient de se placer à la deuxième ligne. 6.4 pour le pilote Aston Martin. Margaret qui est en seconde. Et en 11.4, ça vient de le placer en 4ème position. En 9ème position. Refaire l'installation. Rentrer. Stand. Oui. Bien chrono 11.2 pour la 9ème position. AlphaTauri qui a réussi à signer un chrono provisoire dans le top 10. Enfin, sur la chicane, attention, le mur des champions, et la première victime du mur des champions est Job Power, qui ne signera pas de chrono dans cette séance qualificative. Malheureusement, première victime ce soir du mur des champions, c'est Joe Power, le pilote Williams. Il devrait s'élancer en dernière ligne. Donc, il y a Yema, 10.3, qui est remonté au troisième rang. Les gars, j'essaie de suivre tous les chronos le plus possible, mais déjà qu'avec Wazazad, des fois je rate des chronos. Alors là, c'est sorry, guys. Même pas le pass. Pas du pass, mate. Beautiful joueur français. C'est un tour rapide. Alfa Romeo, on va le suivre en caméra embarquée. Rapide. Troisième au championnat.
ça continue. 19.3 pour le premier secteur en 2 ici, Sparta. C'est un premier secteur qui est compétitif. Bon, ça passe bien dans la chicane à la fin du second secteur. Au milieu du second secteur, pardon. Épingle avec cette aérienne. Épingle. Et on va utiliser toute la piste pour accélérer. Ça passe bien pour DC Sparta. C'est un bon chrono pour l'instant. Va falloir l'achever avec la chicane. Et Clenanix qui améliore 0.9.2. Oh, et ça touche au mur des champions pour DC Sparta, mais qui s'en sort sans encombre. Et ça sera une 0.9.4 à 2 dixièmes de la McLaren DC Sparta qui vient se passer en seconde position. Chrono très compétitif pour l'Alfa Romeo. La troisième position. Non, pas du tout. C'est les pneus soft. Il n'y a pas tardé à sortir le pilote alpine. Ayema lui qui ressort. Et en 10.3, c'est. Ayema, il est en médium encore pour l'instant. Classé 4e, le pilote As. C'était une très bonne opération, mais il est sorti. Il est ressorti en médium pour essayer d'améliorer sa marque, le pilote As. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour lui. S'il arrive à se classer aussi haut avec les pneus médium, 18e pour l'instant. Et SR, hein. Qui est SR qui vient de ça en 10-0 le pilote Alfa Romeo. Très bon tour, très très bon tour pour le pilote Alfa, pour le second pilote Alfa Romeo qui font 2 et 4 en médium. SR, très 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 bien joué. Salut Simon. Ouais, c'est Skrig. Hop, bam. Bah pendant la course test, je l'ai pas vu bugger, mais là effectivement. C'est quoi son Discord, frérot, tu sais ou pas? Mac bug beaucoup, ouais. Je lui envoie un message, les gars, vous savez, c'est Discord. Discord. Non, bug. Mac, ça va pas être possible. Mac, ça va. Non, mais y'a pas de soucis, frérot. Non, mais là, comme toi et moi, tu vois, là, tu vois de tes propres yeux. Là, tu peux pas dire qu'il bug pas, le frérot. Ok, énervé. Sur PSN. Ah, alors. Alors, attendez les gars, on va changer de... Ouais, mais là, du coup, je vais couper un peu les qualifs. Ouais, purée. En plus, moi, j'ai une PS4, c'est long. Waouh. Je vais lui dire, essaye de régler ta co, frérot, sinon tu seras contraint d'abandonner. Ok, ça marche, Morzac, pas de soucis, frérot. Je vais faire ça. Mais là, ce qui me fait chier, c'est que je suis en train de passer à côté des tours qualifs, tout ça. Essaye de régler ta co, s'il te plaît, frérot. Sinon, tu devras abandonner, malheureusement. Est-ce que j'ai raté des choses? Mag P5, justement, le Red Bull. Ouf. Attends. Pour les 5 dernières minutes qualificative de la 5e manche 9 de la Ligue C, le plus en surprise. Exactement ça, frérot. D'ailleurs, le micro, est-ce que vous avez. Est-ce que toi, Galette, par exemple, qui. Est-ce que tu as entendu la différence? Ah non, qui est en train de...
Ah non, c'est un tour d'installation. As. Donc légèrement les roues pour le tirage. Donc il y a deux tours déjà sur, sur cette roue médium. As. Skrig lui qui, a, qui rentre dans la voie des stands. Pour jouer le secteur 2, ça se laisse passer. Donc, les gars, on va me parler les gars. Excuse-moi, ingénieur de course. Excuse-moi, frérot. Pour l'instant, les deux seuls pilotes en médium sont 6 et 7e. Ça serait quand même une bonne opération de partir en 6 et 7e place avec des pneumatiques un peu plus durs qui pourront emmener un peu plus loin dans, dans la course. Alors qu'on le rappelle, hein, il y a eu une victime pour l'instant du mur des champions, c'est Joe Power, le pilote Williams, qui sera contraint de s'élancer pour l'instant à 17e position, qui n'a pas pu réaliser de chrono. Et Margareton, c'est en tour de sortie également. David en une 11.6 qui améliore mais qui reste 16e, le pilote As. Margaret qui vient déclencher le chrono. Dans, dans ce premier enchaînement de virages pour le pilote Aston Martin. J'espère que ça ne sature pas au moins. Ah, c'est pas loin de saturer, je vais le baisser un peu. Bien fort. 4 dixièmes d'amélioration pour Margaret. Il améliore de quelques centièmes. Qui a amélioré de 3 dixièmes et demi sur l'ensemble du tour et qui reprend la 6e position provisoire. En pneu rouge peut-être McLaren, alors que Skrig n'avait pas validé tant en médium, hein, pour l'instant c'est en soft qui s'élance le pilote Mercedes. Le retard pour le pilote Red Bull et pas d'amélioration. 12e place pour l'instant pour Jacques Alex, alors que son coéquipier est à la 5e position. Ça se voit qu'il lag. Hein. Rien pour essayer, mais ça ressemble plus à un tour d'installation qu'un tour rapide. Parti pour essayer alors qu'il y a Kelena Nix. Un tour de sortie qui a été dans l'air pour ne pas gêner. Pour l'instant 10-0 alors qu'il y a 81 millièmes d'amélioration, 8 centièmes de mieux pour le pilote Alfa Romeo qui est en train de pousser. Bien, ça passe bien. Un dixième de mieux pour Esser à l'issue du second secteur. C'est rapide pour le pilote Alfa Romeo. Ça lui ferait gagner quelques positions. Il va réussir à concrétiser son temps. On va le voir d'ici quelques instants. Il finira pas son tour, Esser. Esser qui ne terminera pas son tour. Donc, il y a les pilotes de tête qui sont de. Skrig qui reprend la 3e place, le pilote Mercedes en 1.09.8. Très très beau temps, très bien joué au bon moment. Et Kepeda 0.9.7 pour le pilote Aston Martin. Bien joué. Pourquoi ça s'appelle Wolf? Pourquoi je l'appelle Wolf? Non. Ouf. Pas dur à dire. Ouais, DC Sparta qui va récupérer la pole pour quelques centièmes de seconde sur Klenanix. Klenanix qui est en retard à l'issue du second secteur. Oh, il y a GRKTVK abandonné devant lui. En espérant que ça n'ait pas déconcentré le pilote McLaren alors qu'il vient de signer le meilleur second secteur. Tex qui a abandonné dans la voie des stands. P5 provisoire pour le pilote Alpine. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura des interviews.
Ça fait nos panneaux des 50, ça passe bien. Ça va très très proche du mur des champions, mais ça ne touche pas avec les Nanix. Va-t-il récupérer la pole? Et oui, en 09.1 pour un dixième, un peu plus d'un dixième. Pole provisoire pour le pilote McLaren d'ici Sparta. Qui va rentrer tranquillement. Wolves également, Skrik qui est déjà rentré. Et Nanix en pole position. Très très bien joué de la part du pilote McLaren. Si si, t'es en Discord, je vais en direct là. Là. Oh, ça se voit pas. La première derrière moi, c'est marrant. Pas le droit, je pense. Bref. On va faire des qualifications. Les Nanix sont cool. Sparta. Deuxième. Il faudrait qu'il abandonne d'ici Sparta. Est-ce que Galet, tu peux dire à. Si t'abandonnes. Tour en plus sur les points off de Kenanix, Paulman, 09.1, peut-être McLaren qui s'élancera en pneu soft, alors que Tex, lui, en 09.9, par 5e, mais avec des pneus médium, et SR en pneu médium également. Wolves P3, Skrik P4, Mag P7, Enisvix P8, Ayema P9, P10. Pour le top 10, on va passer tranquillement à la course, les amis. Alors, on est au Canada. Le virage, c'est quelque chose. On va passer à la prédiction. Safety car / VSC. On me la fera pas deux fois. Avant la fin du tour 1. Ça fait une minute pour voter. Une prédit pour la course. D'ailleurs, oui, c'est lui l'absent du jour. C'est pas un demi. Je viens de capter. C'est pas un demi qui a été remplacé par chez McLaren. Il y a peut-être une autre chose. Je suis pas au courant. C'est un supérieur. Il y a un cas contre. Enfin non, un cas pour. Personne qui a pris le. Aïe. Allez. J'espère que Maga. Les Nanix. McLaren. Alors, je pense qu'il y a une place aujourd'hui, je pense. Pain de mie. 09.1, je crois. Voilà. 09.2 max.
Ah oui. Oh, c'est grave. Oui. En tout cas, c'est un bas zéro. La chef. Mode combat pour essayer d'aller chercher des positions sur la piste. Quoi? What the fuck? Ah ouais, c'est vrai. Genre, des fois, ça... On va faire un... On va augmenter un peu le gain. C'est bizarre parce que... On va augmenter un peu le gain. Ouais, mais là, c'est fort. Là. C'est fort, là. C'est bien ce que je me disais. Bienvenue sur le stream, Ayema, frérot. Bonne chance et bon courage pour la course. Mac qui vient de me valider mon message. Donc on va voir si... s'il a réussi à résoudre ses problèmes de co. Effectivement, bonne course à tous. Bon courage. Faites gaffe au Pena. Faites gaffe au mur. Faites gaffe au mur des champions. Proposez-nous du spectacle, les gars. C'est tout ce qu'on veut voir. Alors que le tour de formation va commencer d'ici. Quelques secondes, une poignée de secondes. Oh shit. On va avoir le temps de se faire. Merci à toi, surtout RD Valentin, de la fin de course. Alors là, frérot, ok, d'accord, si tu me donnes rendez-vous, mais je comptais pas faire d'interview, mais si je peux inviter tout le monde, y a pas de soucis. Alors qu'on va prendre des stratégies à deux arrêts, trois arrêts, soft, medium, medium, soft, soft, medium, medium. Attends plus à une stratégie à deux arrêts. Merci Zomag68 pour le follow. Bienvenue frérot. Merci pour ton follow Zomag, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Bien sûr, je vais avoir le temps de faire ça. Qui chauffent bien leurs pneus avant de s'élancer. Enfin, d'abord de se positionner sur la grille de départ. Alors que Madame Irma a reproposé les différentes stratégies, trois arrêts ou deux arrêts. Et Clenanix qui est très très en avance. Heureusement que c'est pas comme IRL et que les pneus se refroidissent très vite. Et Joe Power du coup, malheureux, avec un malheureux crash en qualification, s'élance de la 18e position. Atom lui qui n'a pas eu de qualif, 19e et JRK, 20e. Alors qu'on propose maintenant une stratégie à deux arrêts, soft medium medium ou hard medium medium. Dors. What? I sleep, man. I don't sleep, man. Bon, ça va être le moment pour le départ. Moi, je vous donne rendez-vous au premier virage. N'hésitez pas à hausser le volume.
Non, je rigole. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Genre le mec qui fait ses remix de mort là. Oh, et quel départ de Tex qui vient se porter à la position, à la hauteur de l'Aston Martin, de Wolves. Escrig qui résiste, mais Tex qui a l'air d'être bien placé pour récupérer la quatrième position. Et c'est la McLaren qui a pris un très mauvais départ, malheureusement, qui a perdu deux positions. DC Sparta qui a pris le lead provisoire, suivi par Wolves. Alors qu'il y a un drapeau jaune secteur 1. Ça a bloqué un peu les pneus. Attention, il n'a pas l'air d'avoir eu de la casse, peut-être un peu de casse quand même parce qu'on est en dégâts simulation, faut pas oublier. Et si Mag malheureusement qui a perdu 13 positions au départ, le pilote Red Bull, Ayema également qui est 19ème, il a dû avoir contact entre les pilotes malheureusement. Alors que Benito était à l'attaque sur Jacques Alex, bien placé le pilote Mercedes, attention contact avec Jacques Alex à l'épingle. Ah, il a dû avoir peut-être une petite casse d'aileron malheureusement pour le pilote Mercedes. Infinity de Toto qui est également bien placé derrière Margaret. Mais pour l'instant, il n'y a pas le DRS. Il n'y a pas le DRS. Ils vont devoir se suivre et attendre jusqu'au tour 3. Pour voir le DRS s'activer. Et il n'y a pas eu de safety car ou de VSC. Messieurs. Le VSC, oui, malheureusement, qui va perdre 1000 points de chaîne ce soir. Et Guillou qui a gagné 4 positions au départ, le pilote Ferrari. Alors que Mag a abandonné. Hein. Je ne sais pas si c'était des problèmes de connexion ou quoi que ce soit. Il a abandonné dans la voie des stands, le pilote Red Bull. Promis, Infinity The Toto. Atom, JRK. Il y a pas mal de pilotes qui sont bien placés. Il va sortir de la voie des stands, malheureusement, Mag. Enfin, l'IA de Mag. Ah, c'est pour la co. C'est pour la co, malheureusement. Mag qui n'a pas résolu ses problèmes de co. Et Wolves qui est bien placé hein, derrière DC Sparta. Klenanis qui le suit d'aussi près. Tex également. Skrig, alors qu'on aurait pu penser que Tex avec ses pneus médiums qui auraient pu être un peu décrochés. Et non, c'est lui qui signe même le meilleur temps au tour. Une 12.6 pour le pilote Alpine. Très très bien placé. Et Skrig qui prend la première pénalité, 3 secondes de pénalité pour le pilote Mercedes. Il n'y a pas la map, pourquoi il n'y a pas la map? Ah si, il y a la map, je suis fou, c'est ça qu'il n'y a pas. Klenanis qui a réussi à glaner une position sur Wolves. Alors qu'il s'est fait tasser le pilote Aston Martin, voiture de sécurité virtuelle. Ayema qui a abandonné malheureusement dans la voie des stands également, je crois, pour le pilote As. Aïe 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 aïe. Terrible coup dur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre le pilote McLaren et le pilote Aston Martin, mais il y a eu un échange de position. Et un arrêt au stand même pour Wolves qui va s'arrêter. Tex également qui passe par la voie des stands. Est-ce qu'il y a des dégâts d'aileron sur l'Alpine? Et oui, il y a des dégâts d'aileron. Aïe, 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 terrible. Le pilote Alpine qui s'était élancé en médium. Et on peut deviner sûrement des casses d'aileron pour les pilotes qui sont passés dans la voie des stands. Et Benito, pénalité de passage au stand, vitesse excessive sous Virtual Safety Car. Et oui, la course a repris et malheureusement, il n'a pas respecté le Delta. Le pilote Mercedes, suivi de très près par Atom. Ouais, le dive à l'intérieur d'Atom. Bien mené de la part du pilote Williams. Alors contre Atom et...
Et Jacques-Alex, il y a déjà 2 secondes. Et à l'avant, ça reste quand même resserré. C'est Infinity Zototo avec le DRS qui prend le meilleur sur McGarrett. Alors qu'il y a Underedo qui a pris une pénalité. JRK également. On voit, les pilotes, il y a certains pilotes qui essayent quand même de rester bien placés. Alors qu'il y a Benito qui passe par la voie des stands. Malheureusement, un drive-through pour le pilote Mercedes. Et un drive-through également pour JRK. Alors Kenny Vixi est bien placé hein, derrière Underedo. Attention, on sent l'arrière léger à la sortie de ce virage pour certains pilotes. Alors pour l'instant, il y a Guillou, Tex, Wolves et Skrig qui se sont arrêtés pendant la VSC. Vixi hein, très très bien placé derrière Underedo qui va pas tarder à avoir le DRS. Va se rapprocher de l'AlphaTauri devant lui, mais il va pas pouvoir le déborder. Et Jacques-Alex lui a réussi à prendre le meilleur sur McGarrett. Guillou sur David à l'approche du mur des champions. JRK sur Benito. 5 secondes de pénalité vitesse excessive dans la voie des stands pour Skrig, malheureusement qui n'a plus d'aileron. Le pilote Mercedes, aïe 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 aïe. Terribles images. Et Benito qui passe également par la voie des stands. Est-ce qu'on va profiter du double stack chez Mer... Ah non, 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 pas du tout. Malheureusement, le timing n'a pas été bon. Pour une pénalité. Je suis pas sûr de ça. Dex qui prend le meilleur sur David. Oh, attention, roue dans roue. Et il lui manque un morceau d'aileron, malheureusement, à David. C'est à l'issue du contact. Infinity Zototo qui suit Promis à 7 dixièmes, qui suit Nix Vixi à 7 dixièmes, qui suit Underedo à 4 dixièmes et demi. Pris en chasse pour l'instant le pilote AlphaTauri, alors que Nix Vixi vient décoper de 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et ça joue pas les affaires de Nix Vixi pour l'instant. Nix Vixi qui est bloqué derrière Underedo, la pilote McLaren. Donc Wolves est revenu au contact de Texte également. JRK qui prend le meilleur sur David qui est dans la voie des stands. Pour changer d'aileron, le pilote Haas. Malheureusement. De Dex. Atom assez proche de McGarrett. Est-ce qu'il va pouvoir tenter une attaque pilote Alpine. Non. Williams. Ça va être... Désolé. DRS ouvert pour Nix Vixi. Benito qui prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Ah, il est quand même assez loin, Nix Vixi, dans les lignes droites. Trop loin de Underedo pour essayer de porter une attaque. Alors qu'Atom, lui, également, ne pourra pas porter d'attaque sur McGarrett. Alors que Tex vient de signer le meilleur temps en tour. Une 12.1 pour le pilote alpine en médium. L'homme le plus rapide en piste pour le moment. Et Tex, il prend 3 secondes de pénalité également. Il se rapproche très fortement de Guillou. Guillou qui prend 3 secondes également. Allez, oui, les pénalités qui vont sans doute tomber ce soir. Et ça va faire une énorme différence à l'arrivée. Atom qui reste
bien placé derrière Margaret, un peu en difficulté le pilote Williams, mais qui parvient à rester sous les 6 dixièmes à la poursuite de l'Aston Martin. De Redo également, hein, qui est en train de composer de 3 voitures derrière lui, qui se suivent au DRS. Drapeau jaune secteur 3, NXVC, l'abandon! L'abandon des NXVC d'Ander Redo! Ander Redo qui était dans le mur des champions, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pilotes? On peut se poser un contact alors qu'il est coincé, il est coincé sur la saucisse! Il est coincé sur le vibreur, le pilote AlphaTauri qui perd des positions, qui perd énormément de temps et qui va passer directement par la voie des stands. Qu'est-ce qui s'est passé entre le pilote McLaren et, l'AlphaTauri? Alors qu'Atom est passé par la voie des stands pour chausser des hards et voitures de sécurité au tour 8. Nous sommes au 9e tour même et la voiture de sécurité vient de faire son entrée en piste. La course est neutralisée. Il y a eu un accrochage à la dernière chicane juste avant le mur des champions. Et la course va être relancée. Hein. Course neutralisée et relancée. Skrig lui avec des softs de 3 tours va sûrement pas passer par la voie des stands. Aïe, 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 il y a dû avoir un énorme crash hein, entre les deux pilotes. Et on peut supposer déjà que le quatuor de tête. Oui, Klenanix qui va boxe. Klenanix qui boxe. Et Serre qui le suit. Quel va être le choix de Infinity de Toto? Il devrait le suivre également, très logiquement, le pilote AlphaTauri. Qui plonge dans la voie des stands et Jacques Alex fait de même alors que DC Sparta avec des pneus médiums neufs, franchement neufs, vient de récupérer la première position. Mesdames et messieurs, Klenanix qui ressort de la voie des stands qui va conserver une P2 pour l'instant. Tex qui reprend la P3 et CRP4, Guillou P5, Wolves P6. Promis P7, Infinity The Toto P8, Jacques Alex sort de la voie des stands également en soft, le pilote Red Bull P9, Margaret P10, Ander Redo 5 secondes de pénalité pour la vitesse excessive dans la voie des stands, quel dommage, Ander Redo qui abandonne, hein. Pilote AlphaTauri. Qui est en train de donner pour attraper le train qui est en train de se former derrière la voiture de sécurité. Se neutraliser 10e des 35 tours de course au Canada ce soir. J'espère que mon micro il bug pas là parce que depuis tout à l'heure je surveille pas. C'est bien d'essayer de bien commenter tout ça, mais si mon micro il bug, ça arrive à rien. Ça a l'air d'aller. Et 4 abandons pour l'instant. Mag à cause de sa connexion, malheureusement, le pilote Red Bull. Ayema, le pilote As. Qui a également abandonné. Nix Vixi et Ander Edo. Qui ont suivi. Lors d'un crash dans cette chicane. Dans le dernier virage du circuit du Canada. À proximité du mur des champions, malheureusement. Pour l'instant, le des pénalités, on a Tex avec 3 secondes, Guillou avec 3 secondes, Skrig avec 8 secondes, le pilote Mercedes, et Benito avec 3 secondes. 4 pilotes ont écopé de pénalités. Tex avec des médiums de 7 tours, qui est passé en 3ème position. Guillou, Wolves et Skrig qui ont les pneus les plus usés actuellement. 7 tours pour Tex, pour Guillou, pour Wolves. 5 tours pour Skrig et Benito. Pour l'instant, le grand gagnant du jeu des safety cars et des dépassements et des changements de position, c'est DC Sparta qui est parti P2, qui est pour l'instant en première position. Le pilote Alfa Romeo, alors que la voiture de sécurité a éteint ses feux, et va rentrer à la fin de ce tour.
Infinity Toto a gagné 7 positions depuis le départ, le pilote AlphaTauri. Et Atom 8, hein, j'avais pas vu, mais Atom 8 positions pour le pilote Williams. Alors que DC Sparta, lui, est en train de gérer sa relance tranquillement, le pilote Alfa Romeo, qui zigzague très très doucement. Et qui est parti, il est parti très tôt. Très très tôt, DC, qui a mis une seconde de Atex. Et Tex qui a pris le dessus sur Clenanix. Et c'est reparti. Escri qui a réussi à gagner une position également, hein, le pilote Mercedes sur ses softs, qui a réussi à se défaire d'Atom au restart. Il met une roue dans l'herbe, Skrig, mais ça l'empêche pas de prendre des bonnes lignes pour essayer de trouver une ouverture sur McGarrett. Donc il restera 16 mois sagement derrière. La ligne de safety car n'était pas dépassée. Je l'entends, Galette, mais je ne suis pas commissaire de course. Et je ne suis pas dans le clan McLaren. Mais t'inquiète pas, hein. Je sais pas si t'as vu, il y a eu un moment d'hésitation dans mes commentateurs. Et c'est là que je me suis dit, mais la ligne, elle n'était pas passée. Alors qu'il y a Atom qui est bien placé derrière Skrig, mais Skrig qui sort très bien de l'épingle. Ça sera pas mon taf, ça. Après, peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, c'est pas mon taf. Très bien placé derrière McGarrett, alors que pour l'instant, il n'y a pas le DRS qui essaie de se porter à l'intérieur. Et non, c'est... Ce sera qu'une feinte pour l'instant pour Skrig, alors qu'il y a la deuxième ligne droite à l'aspiration. Je pense pas qu'il va essayer de porter une attaque ici. Il plonge Skrig à l'intérieur au premier virage. Et ça passe pour le pilote Mercedes. Audacieux, mais très très bien joué de la part de Skrig. Très propre. Très beau freinage sur McGarrett pour la dixième place. Et un pilote Mercedes qui fait son entrée dans le top 10. Alors qu'il y a un train qui est en train de se former. Deux trains plus précisément qui sont en train de se former. La P2 avec Tex et Clenanix, suivi de SR. On a ensuite Guillou, suivi de Wolves, suivi de Promi, suivi d'Infinity The Toto et Jacques Alex qui décroche un peu. Le pilote Red Bull, eh, c'est affreux. J'ai une pizza, j'ai des gaz de fou. Waouh. Je parle beaucoup après, hein, mais même. Garrett qui a dû passer la détection juste au-dessus de la seconde derrière Skrig qui n'a pas le DRS. Le pilote Aston Martin. Et c'est également le cas pour Atom. Ah non, mais il n'a pas été activé, surtout le DRS. Il n'a pas été activé. Je vais un peu vite en besogne. Alors que DC Sparta lui prend le large pour l'instant. 2 secondes d'avance sur le pilote Alpine Tex. Bulls, hein, grand perdant lui du jeu des arrêts au stand. Infinity Toto qui prend 3 secondes de pénalité. Pour avertissement répété. Et Bulls, oui, qui a perdu 3 places, hein, lui, le pilote Aston Martin. Va-t-il réussir à canaliser à se canaliser et mettre à profit ses perditions. Bien placé là. Il est bien placé. Ah, et Guillaume qui se loupe un peu et qui va pas attraper la corde dans cette épingle. Alors que SR est bien placé. Derrière Clenanix, mais qui est lui-même bien placé derrière Tex. Là, il est très très bien placé à la sortie du dernier virage. Le pilote McLaren, DRS ouvert à l'intérieur. On se laisse l'espace. C'est propre. Qui va réussir à prendre le dessus sur cette bataille. Qui réaccélère bien le pilote McLaren. Mais ça suffira pas pour prendre le meilleur sur Tex. Alors qu'il y a SR qui a également recollé. Guillaume, lui, qui a été largué à 3 secondes derrière SR. Mais Guillaume qui arrive à maintenir cette 5e position provisoire. Mais il emmène un train de 4 pilotes derrière lui. Le pilote Ferrari.
qui s'était arrêté à la première VSC, qui ne s'est pas arrêté depuis. Je pense qu'on peut, constater un peu d'usure sur les pneus du pilote Ferrari. Ça ressort fort, alors qu'il y a Klenanix qui vient se porter à l'intérieur sur Tex et qui reprend même la trajectoire au DRS. Bien joué de la part du pilote McLaren qui possède encore une fois le DRS, alors que Tex pour l'instant reste au contact. Mais est-ce qu'il va... Oh, attention, la bataille! Oh, le droit de front! Guillou qui a tout perdu! Guillou qui a tout perdu avec le DRS sur ce tour. Attention! Et promis qui a tassé Infinity The Toto. Et Guillou, hein, qui a perdu plusieurs positions, mais qui essaie de récupérer la P7 au moins sur Infinity The Toto. Attention. Oh, et le spin, Infinity The Toto. Et malheureusement, il y a eu un contact. Aïe, 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 aïe. Et voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Infinity The Toto, malheureusement, qui a eu un accident. Il y a eu un contact entre Guillou et Infinity The Toto. Et Guillou, qui avait perdu, a eu 3 positions en une ligne droite. Les pilotes Ferrari qui avaient réussi à se bagarrer pour essayer de récupérer, de garder la P7 quand même. Et malheureusement, ça s'est mal terminé. Pour l'instant, Atom P11 en hard avec 7 tours sur ses pneus hard, le pilote Williams. Ici, Sparta qui a choisi de passer par la voie des stands. Klenanix, lui, qui a choisi de continuer. Tex également, 13 tours sur les médiums. Et on choisit le double stack, même chez Alfa Romeo. Et assez bon double arrêt pour le clan Alfa Romeo. Alors que Wolves est passé par la voie des stands. Il y a Guillou également en hard, Atom également, Skrig et Benito, les deux pilotes Mercedes. Alors, il y a SR en rouge, en pneu soft. Neuf qui est ressorti sixième, le pilote Alfa Romeo. Ici, Sparta qui est troisième avec des pneus neufs, médium. Très bonne opération chez Alfa Romeo. Et derrière, il y a Wolves hein, qui a box également pour des pneus neufs, pneus médium. Il y a le pilote Ferrari, Guillou. Qui s'est également arrêté pour chausser des pneus hard. Neuf. Ferrari. Il y a également Jacques Alex, Atom, Skrig et Benito qui sont en pneus médium. Flambant neuf. Alors que jusqu'à la P9, ils ont recollé au train de la safety car. Et on peut compter malheureusement 5 abandons. Aujourd'hui, avec Mag, Ayema, Nixvixi, Anne de Redo, Infinity The Toto. Soirée de course noire hein, pour l'écurie Alpha Tauri. Qui fera un double abandon aujourd'hui, malheureusement. Benito, pour l'instant. Et va arriver le pilote Mercedes qui a. Il va recoller au peloton. Petit point pénalité. 3 secondes pour Tex. Classé actuellement deuxième. Faudrait pas qu'il y ait trop de safety car pour lui. Pour pas que ça lui entache trop sa course. Mais ça pourrait profiter à d'autres pilotes également. Ensuite, on a Guillou avec 3 secondes également. Le pilote Ferrari. Qui est classé 11e pour l'instant. 3 secondes pour Skrig. 14e, le pilote Mercedes et Benito, 6 secondes de pénalité. Et au niveau des pneus, on va retrouver Tex, deuxième position, avec 14 tours sur ses médiums. On commence à faire pas mal de tours. Jusqu'où va-t-il réussir à les emmener ses pneus médiums, le pilote Alpine. Et alors que la voiture de sécurité va rentrer à la fin de ce tour, il
fait son tétin. Kenanix va commencer à gérer la relance. Oui, il ralentit le pilote McLaren. Alors qu'il a promis McGarrett, Job Power, GRK qui ont 9 tours sur leur gomme. Tous les 4 en pneu médium. 11 tours pour David. Il reste à posséder des pneus pratiquement neufs. Et Kenanix 8 tours hein, sur ses pneus médium également. Je n'ai pas vu, il n'y a que DC Sparta dans le trio de tête qui est en pneu neuf. Alors que Kenanix attend bien jusqu'à la dernière minute pour faire la relance et c'est reparti. C'est reparti, mais attention parce qu'il est très proche, Tex. Alors qu'il y a McGarrett qui a réussi à glaner une position sur SR. Oui, je dis bien GRK qui a perdu une position, deux positions également. Est-ce qu'il y a une casse d'aileron pour pilote Ferrari qui perd beaucoup de positions? Drapeau jaune secteur 1. Ah, il y a eu un peu de casse au restart. Et promis qu'il n'a plus d'aileron de pilote Alpine. Quel dommage. Ça m'a l'air d'être le seul. Après, j'ai l'impression qu'il y a d'autres pilotes également qui souffrent du manque de morceaux d'aileron sur leur monoplace. Et SR qui reprend sa quatrième position au freinage sur McGarrett. Ici Spartak qui est très bien placé derrière Tex, mais qui lui aussi ne lâche pas Kenanix. Et promis qu'il lui manque un morceau d'aileron. David, ça a l'air d'aller. Ah, Jacques Alex, il lui manque un morceau d'aileron. Non, il lui manque pas de morceau d'aileron. Je crois que l'Aston Martin a quelques dégâts. Et Srik, 3 secondes de pénalité. Voir l'aileron de Walls. Et non. Je souffre d'hallucinations visuelles. Apparemment, il n'y a que Promis qui a eu des dégâts sur son aileron. Malheureusement. Alors que Guillou est un peu en difficulté avec ses pneus hard. Alors qu'on est on arrive au 20. On a parcouru 20 des 35 tours de course. Ici au Canada, cinquième rendez-vous de la saison 9 de la Ligue C de la VMV qui occupe pour l'instant comme leader Kenanix, qui a réussi à placer Tex au-dessus de la seconde, alors que DC Sparta lui est très bien placé derrière Tex avec des pneus neufs, le pilote Alfa Romeo, et qui a dû utiliser un peu de RS pour revenir sous la seconde. Le DRS n'est pas encore activé. Et Skrigl qui réussit également à prendre le meilleur sur Job Power. Qui va lâcher la position, le pilote Williams. Et meilleur temps au tour pour SR. Alors que Promis a pris 3 secondes de pénalité, pardon. Pour avertissement répété. C'est plus bien. Trois pilotes qui sont en train de se battre pour la P7, alors que ça coupe un peu pour Skrig et 3 secondes de pénalité pour Atom. Attention, et Wolves qui récupère la 7ème position. Il est rentré fort dans ce virage là Wolves, attention à pas trop en faire, mais il a l'air de tout garder sous contrôle, le pilote Aston Martin. Attention, Tex et DC Sparta qui fait l'intérieur sur Tex à l'épingle. Très 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 bien joué de la part du pilote Alfa Romeo. Alors que Tex revient derrière à l'aspiration. Mais il n'a pas le DRS, le pilote Alpine. Oui, très très bien joué de la part de DC Sparta. Qui va à l'aide du DRS aller se placer sous la seconde derrière Kenanix. Qui lui fait de la récupération d'énergie pendant ce temps là. Le pilote McLaren qui n'a plus beaucoup d'énergie. Les batteries sont vides. Et DC qui vient de signer le meilleur temps en tour. 11.9. L'homme le plus rapide en piste pour l'instant, c'est lui. C'est DC Sparta. Très très bien placé derrière Kenanix. Qui est très très proche de récupérer une P1. Tout simplement, alors que Skrig passe par la voie des stands. Changement d'aileron malheureusement pour le pilote Mercedes. Alors que pour la P8, ça continue de se bagarrer. Jusqu'à la P12. 5 voitures hein, actuellement, si je dis pas de conneries. Ils sont en train de se battre pour la 8ème position, alors que GRK est en train de prendre un peu l'envol. Wolves est en train de,
de revenir sur ma garrette. Est-ce qu'on va assister à des consignes d'équipe ou est-ce que on va aller voir se battre en piste? Les deux coéquipiers. Et non, ma garrette qui laisse passer comme un gentleman son coéquipier Wolves qui est plus rapide et il le sait. DC Sparta qui récupère la première position de ce Grand Prix du Canada. Le pilote Alfa Romeo, très 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 bien joué. Avec des pneus neufs, il reste 12 tours à parcourir. Tex en a parcouru 19. Ça ferait 18 tours. Ça commence à sentir bon pour DC Sparta, mais attention, il peut tout arriver encore. Des safety cars, des virtual safety cars, alors que Jacques Alex a pris 3 secondes de pénalité. Et Joe Power et McGarrett passent par la voie des stands. C'était un arrêt assez rapide. Alors que Jacques Alex a réussi à prendre le meilleur. Benito qui a perdu la voiture dans le premier secteur. Et la casse d'aileron pour le pilote Mercedes qui va devoir repasser par la voie des stands. Quel dommage. Et attention, c'est pas fini devant. Ça se bat encore. Ça se bat encore pour la P1. Glenanix qui est très très bien placé à la sortie de l'épingle. Et oui, DRS ouvert pour Klenanix qui va revenir. Qui atteint les 323 km/h. Hein, le pilote McLaren avec son moteur Mercedes. Attention. Ah, il n'a pas activé son DRS. Il économise Klenanix. Ici qu'il en a besoin. Alors que Tex lui suit tout simplement avec 20 tours sur ses médiums. Oh là, le pilote Alpine et le pilote Alfa Romeo, lui, RCR, qui s'est fait une belle petite frayeur alors que GRK qui passe par la voie des stands pour un changement de pneus et très bon arrêt réalisé chez Ferrari. Pour des pneus médiums, on peut présumer jusqu'à l'arrivée de la course. Alors que... De la bataille pour la P8, on était à 5 voitures. Et maintenant, on commence à rejoindre la P6. Guillou en difficulté avec ses hard. Il va maintenant devoir contenir Atom au volant de la Williams. Derrière lui, et également Jacques Alex. Attention, Klenanix qui est bien placé, hein, mais... il n'a pas beaucoup de RS, le pilote McLaren. On peut supposer qu'il effectue un peu de récupération d'énergie avant de s'attaquer. Excusez-moi. Alors que Guillou effectue de la récupération d'énergie, il n'a plus beaucoup de batterie, le pilote Ferrari, alors que la batterie d'Atom est un peu plus pleine. On est à peu près un peu moins de la moitié pour l'instant. Et c'est Joe Power qui arrive à prendre le meilleur sur McGarrett. De la part de Joe Power, alors que la Skrigle aussi qui est en train de revenir. J'espère que mon micro ne bug pas. Ah, il reste pas beaucoup de batterie hein, à Guillou, ça va être compliqué de défendre. Alors qu'on retrouve le trio de tête toujours placé de la même manière. Sauf qu'il est très proche à l'arrivée du dernier virage. Cette fois-ci, Klenanix qui ressort à 3 dixièmes et demi. Qui va reprendre du terrain. Mais qui ne veut pas dépasser pour l'instant Klenanix. Est-ce qu'on attendrait le bon moment pour essayer de récupérer cette première position? Alors que Atom, lui, prend le meilleur sur Guillou pour la sixième position. Guillou qui retarde son freinage. Mais ça ne suffira pas pour défendre sur Atom qui a encore le DRS et qui est en train de prendre son envol. Il place tout simplement Guillou à 9 dixièmes derrière lui. Ah, et petite erreur dans le premier virage. Qui va donner l'opportunité à Guillou de rester. Au contact d'Atom. Alors que Guillou vient de prendre 3 secondes de pénalité. Jacques Alex lui aussi qui revient. Alors, j'ai pas le TAS, frérot, mais franchement, même si j'avais le TAS, je
pourrais pas te donner des informations, t'es un ingénieur. Par souci de transparence, I cannot give you the information. Il est de mieux en mieux placé, hein, le pilote McLaren, qui attend son heure. Et il ressort mieux là. Mais, encore une fois, on le voit fermer son DRS, le pilote McLaren. Qui peu à peu se refait une petite santé. Il recharge ses batteries. Alors que c'est un peu plus compliqué pour DC Sparta. Et Tex, lui, derrière, qui, du trio de tête, possède le plus de batteries. J'ai même pas le tasse, frérot. Je vais même pas te mentir, j'ai même pas le tasse. Alors que GRK s'arrête une nouvelle fois. Aïe, aïe, aïe. Changement d'aileron pour le pilote Ferrari. Juste au-dessus de la seconde. Malheureusement. Secteur 3 et c'est Benito. Malheureusement qui vient de prendre un tour par les meneurs. Alors qu'il est bien placé, Clédanix, je dirais pas de mieux en mieux, mais il est bien placé. Et Tex qui va s'arrêter. Au bout de 23 tours sur ses médiums pour passer des softs. Et Wolves récupère la 4ème place à 4 secondes de 2 SR. Jacques Alès qui vient de prendre le meilleur sur Guillou. Ah, les pneus hard, hein, vraiment. Pire pneu de l'histoire des jeux vidéo de F1. Alors que Skrig est bien passé, hein, derrière Jack Power. Skrig qui ne lâche pas l'affaire. Il tente pas d'attaquer Jack Power ici. Secondes d'avance entre Guillou et Job Power. Skrig qui prend 3 secondes de pénalité. On va faire un petit point sur les pénalités. On a Tex avec 3 secondes toujours. Atom 3 secondes. Jacques Alex 3 secondes. Guillou 6 secondes. Skrig 9 secondes. Ça commence à grimper pour Skrig. Il va falloir qu'il fasse attention. Le pilote Mercedes est promis 3 secondes. Et Benito 12 secondes alors qu'il a dépassé dans la ligne droite opposée le pilote Mercedes. Et 3 secondes de pénalité pour SR également. Oh! Et l'abandon! L'abandon de Clenanix! L'abandon de Clenanix! Aïe, 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 aïe! Voiture de sécurité! Voiture de sécurité! La course est neutralisée, les cartes sont relancées! Elles sont mélangées, rebattues, relancées! Une nouvelle course va commencer! Il va falloir surveiller les stands et l'arrêt au stand pour Atom. Il prend des médiums qui ont 8 tours. Non, c'est Job Power qui vient de chausser des softs. Guillou également. Jacques Alex. Non, non, je dis pas de conneries. Atom, il est ressorti en médium de 8 tours. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé pour Clenanix au premier virage? Est-ce que malheureusement, il y a eu un contact entre lui et DC Sparta? Je voulais aller voir en plus. À quelques secondes près, je voulais aller voir. Go Alpha. Ouais, tiens, comme c'est étonnant. Team Alpha, la Team Alpha, elle est énorme aussi. Alors que DC Sparta passe par la voie des stands. Ah putain, ils sont 1-2 quand même, les Alpha Romeo. Et SR également pour rechausser des pneus neufs. Merci, Raph, pour ton beats, frérot. Go Alpha. Go Alpha. Alors que Tex est repassé devant les deux Alpha Romeo. Il a 3 secondes. Ah non, et non, DC qui garde la tête. Et Tex, pénalité de passage au stand. Et que cette vitesse sous safety car. Aïe, 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 aïe. Et Tex qui vient de prendre un drive-through. Aïe, 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 et là, oh, et Benito également, drive-through pour Benito, mais qui avait pris un tour par les leaders, mais
Mais là, c'est terrible pour Tex qui vient de ruiner sa course, le pilote Alpine. Leader au championnat. Aïe, aïe, aïe. Quelle erreur. Le Delta. Le Delta et Benito également qui a pris un deuxième DT. Dur pour le pilote Alpine. Qui va devoir relaisser sa place à SR. À la relance. Moi, il m'entend pas, SR. Monsieur Stalva. Mais SR, là, il est bien placé, là. Il a 3 secondes. Lampe de rouge 9. Va falloir pousser. Skrig, lui, s'est pas arrêté. Il a tenté de pas s'arrêter, le pilote Mercedes. Et au niveau des pénalités, c'est quand même... C'est tendu, hein. Skrig, oui, il a 9 secondes. Atome, 3 secondes. Jaglet, 8 secondes. 11 secondes, promis 3 secondes, Benito 2. Oh, et Tex. Aïe, 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 le leader au championnat ce soir qui n'aura pas été gâté jusqu'au bout. Je sais pas s'il a perdu la voiture, mais. Ah, d'ailleurs, bah oui, c'est vrai, il y a l'ingénieur là en plus. Galette, c'est l'ingénieur des deux Alfa Romeo. Si tu veux glisser un petit message, tu peux, hein. Aïe aïe aïe, coup dur pour le leader au championnat, oui, qui va abandonner. Aïe 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 aïe. Pouf, il l'était. Ouh, je peux même pas crier chez moi à cette heure-ci. Et alors qu'il reste 4 tours à parcourir pour l'instant, dans 5, 31, 32, 33, 34, 35. Et ouais. Alors qu'il reste que 13 pilotes, dont Benito qui a pris un tour par les leaders malheureusement, par les 3 premiers, et qui va devoir laisser passer tout le monde alors qu'on est au tour 30, et la safety car qui aura fait 2 tours, et ça va partir. Ça va repartir pour ce final. Benito, hein, qui va sûrement jouer le jeu de l'équipe et laisser passer Skrig très très tôt. Il y a eu de la SC sous les médiums de Wolves, hein, je dirais plus 12. De tours sous SC. Alors que c'est parti devant. Et Wolves qui est très très bien parti. Le pilote Aston Martin. Qui a mis 1 seconde 2 à DC's. Et SR. Mais attention, ils sont un pneu neuf. Les pilotes Alfa Romeo. Va falloir faire gaffe s'ils reviennent. Skrig 4ème. Et Atom qui fait le jeu d'équipe. Non, Joe Power en laissant passer Atom. Alex maintenant qui va passer derrière Jeff Power, JRKTV. Qui passe également. Pour l'instant, Wolves, il est en train de maintenir les deux Alfa Romeo en pneu neuf. Au-dessus de la seconde, on va voir pour combien de temps. Un retardataire. Alors pour l'instant on a un 5-6 Williams, alors que DC Sparta vient de prendre le meilleur temps au tour en une 11.7. Il se rapproche de Wolves. Alors que c'est pas fini, hein. Derrière ça se bat. Ça continue de se battre pour la P6 voire la P5 alors qu'il y a des pénalités, nous l'oublions pas. Le blocage de pneus de Job Power. Et Jacques Alex qui a saisi l'opportunité pour essayer de... Non, qui pour prendre le meilleur.
pour prendre le meilleur sur Job Power. Et Atom qui vient prendre 3 secondes de pénalité. Ça fait 6 secondes alors que Jacques Alex il a 8 secondes. La barre de protection de Job Power vient de sauter pour Atom. Est-ce qu'il va pouvoir résister au retour des autres pilotes derrière? Il y a Margaret également qui est bien placée. Alors qu'il y a Wolves qui s'est fait dépasser par DC Sparta. DC Sparta qui a récupéré le lead du Grand Prix. Et le DRS vient d'être activé. On est au tour 34 sur 33. Et là, on a un merveilleux sandwich d'Alfa Romeo et d'Aston Martin. Comment ça va se passer pour le trio de tête? Alors que Skrik est décroché, mais légèrement en avance sur Atom. Enfin, légèrement, non. Il possède 4 secondes 6 d'avance sur Atom. Il garderait pour l'instant sa P4. Le pilote Mercedes. Ah, c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr ce que je dis. Il y a 9 secondes de pénalité. C'est vraiment pas sûr ce que je dis en vrai. Ça va dépendre du rythme de Job Power également. Alors que Atom n'a déjà plus de batterie. Il fait de la récupération. Le pilote Williams. Lesser qui essaye de ressortir fort mais qui patine un peu. Le pilote Alfa Romeo. DRS ouvert pour Wolves. Et on garde sa batterie. On garde précieusement sa batterie. De part et d'autre. Alors que Lesser lui, il ne garde pas du tout sa batterie. Et il se porte à l'intérieur sur Wolves. Au premier virage à l'intérieur. Au freinage et ça passe pour le pilote Alfa Romeo. Et c'est provisoirement un premier 1 et 2 pardon, pour Alfa Romeo. Mais c'est à 3 secondes de pénalité. Malheureusement, on est dans le dernier tour de cette course. Un rebondissement est complètement folle. Alors qu'Atom n'a pas pu résister à Jacques Alex. Jacques Alex est 5e pour l'instant avec 8 secondes de pénalité. Faut qu'il mette 2 secondes d'avance au minimum. Pour essayer de conserver sa 5e position, le pilote Red Bull. Bon, ça va être compliqué avec les pilotes derrière, mais attention, Wolves n'a pas dit son dernier mot. DRS ouvert, attention. Esser qui est présent pour protéger la P1 de DC Sparta, très certainement. Attention, ça se rapproche un peu quand même au dernier virage. Et non, trop d'usure sur les pneus de Wolves. Et DC Sparta, DC Sparta qui va s'imposer au Canada devant l'Aston Martin de Wolves. Esser 3e avec les pénalités malheureusement. Skrig qui vient récupérer la 5e position, c'est Job Power. Qui est au pied du podium, le pilote Williams, 4e position. Skrig, 5e, GRK, 6e, qui remonte à la 6e position, le pilote Ferrari. Et Margaret, 7e, Atom, 8e, Jacques Alex, 9e, des pilotes, ce sont des pilotes qui ont chuté à cause des avertissements, des pénalités, pardon. Allez, apparemment, Wolves qui avait... 2 avertissements, la P3 qui ne s'est pas joué à grand chose. David 10e, Promis 11e, Guy 12e et Benito vient voir cette 5e course de la saison 9 de la Ligue C de la VMV au Canada. Et GG à tous. GG à tous les gars et GG à DC Sparta également pour sa course. Très bonne course. GG aux Alfa Romeo, très bon travail aussi. Travail très très solide. Merci SR. Merci beaucoup. Aïe. Et il y a un pilote ce soir qui va nourrir quelques regrets malheureusement. Leader au championnat qui abandonne ce soir. Suite à une erreur d'inattention malheureusement. C'est bien ce que je me disais du coup. Sparta, il monte ?
très très bonne performance de Sparta qui va monter en Ligue B. Le pilote Alfa Romeo qui a fait un début de saison 9 très très solide, actuellement leader au championnat et qui mérite bien sa promotion en Ligue B. Très très bien joué à lui, félicitations. Et beau job, beau travail à vous, bien joué les gars, bien joué encore. GG à tous. C'est pas facile le Canada. C'est vraiment pas facile. Tous ceux qui sont restés en dehors des pièges, déjà ceux qui n'ont pas eu de pénalité, très très bien joué à vous. Moi je le fais pas. Je prends toujours au minimum 3 secondes. 9 secondes, je suis un mytho, minimum 9 secondes. Et ensuite, ceux qui ont ramené la voiture, d'avoir évité les murs ou même d'avoir changé les ailerons. Et puis ensuite, avoir évité les murs, c'était très bien joué à vous. Sans ma pena, c'était le doublé. Sans la pena, c'était le doublé. Mais super course quand même. Oui, très très bonne course. Ça a pris que 3 secondes, frérot. Moi, je prends pas 3 secondes au Canada. Je prends au minimum 12, frérot. Donc, quand même, faut saluer la prestation. Bien joué. Bien joué à Wolves aussi, qui ramène une P2 avec un dernier relais de 5 tours après safety car avec des pneus médium qui ont 12 tours à la relance. Oui, bien joué. Skrig aussi qui revient d'assez loin. Bien joué à lui, bien joué à tous les gars. J'aurais bien fait une petite interview, mais alors comme on dit. Tiens. Non. Parce que là on a dit 6 Sparta, on a SR et Wolves. Bon. Les gars, bougez pas au pire. Okay. Et si vous bougez, c'est mort. Et c'est... la peste. Est-ce que Wolves il est là? Est-ce qu'il est sur le chat Wolves? Oh. Ah maintenant je suis mute. Allô allô. Bonsoir. Yo, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une petite win. Ça fait plaisir. En plus, tu pars de la P2. Bon start. Salut les gars. Je pars de la P2, mais elle a un goût amer. Ça dit, franchement, c'est la victoire qui a un goût de poivre, tu vois. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, clairement. Moi, je m'abandonne. Voilà ce qui se passe. Je vais quitter la famille Alpha, alors que franchement, je serais bien resté avec eux toute la saison, mais voilà, les règles sont les règles, tu vois. Ouais, il y a la montée là. Quand même, félicitations. Ouais, d'ailleurs, mais... c'est une belle montée, je suis content, mais je t'ai dit, elle a un arrière-goût de, tu vois. De t'aurais aimé profiter de ton staff un peu plus longtemps. Ouais, franchement, c'est une équipe qui me ressemble, tu vois. C'est des petits foufous, là, je suis le plus âgé. Ouais. C'est toi, ouais. T'as mon âge, à Sparta. Non, mais à part toi. Mais sinon, ouais, c'est... Allô. Ouais, Wolves. Bienvenue, GG pour la P2. GG Wolf. Merci, Marcos. GG les gars. Zéro pena, tu m'as fait perdre jusqu'au bout, enfoiré. Quoi? Ah, je me suis dit, putain, je vais la prendre ma troisième pena, il va me la mettre. Deux avertissements. Ah, mais ton mate, il m'a gêné, parce que genre, je voulais te dépasser avec le DRS, tu vois. Mon quoi? Et puis je voyais ton mate, enfin ton coéquipier. Ah ouais, bah c'était fait exprès. Bah ouais, j'imagine. Bah oui, c'était fait exprès, clairement. Mais je me suis dit, attends, il va pas prendre de péno celui-là, c'est quoi? Et non. Ouais, ça c'est très bien joué. Hein. Même les gars, vous avez fait des courses solides. Hein. Ouais, franchement, j'avais l'impression que le rythme était assez élevé quand même. Hein. Bah, entre vous trois et avec Tex aussi, ça allait vite. Hein.
Tex aussi. Wow, alors, il enchaînait les meilleurs tours à un moment. Je dis, mais Tex, ouais, il me attends. faisait peur, lui. Hein. Mais Il était Tex, en au début de la médium. course, à un moment, j'ai cassé mon aileron au début. Ouais. Et du coup, en sortie de la chicane après le pont, tu vois. Ouais. Et ben, j'étais lent, il a cassé sur moi son aileron là. Ah, mais Mais c'est c'est ça bien que ce que j'ai vu j'allais un dire. C'est ça qui la boxe. rapprochement. J'ai vu un rapprochement, toi, Cléanique, Tex, à un moment, les trois sur la même ligne. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et puis d'un coup, j'ai vu deux mecs piter. Donc toi et Tex, je crois. Non. Ouais, si, Si, toi et c'est ça. Tex. Et après, je me dis, bon, vas-y, bah, je pousse un peu avec mes softs. Allez, je pite, vas-y, je pite tour 8. Et là, safety, tu vois, au moment où je suis dans les stands. Hein. Ouais, Parce que vous d'accord, ouais, c'est deviez parce encore que. box à la fin de la course. Sans la safety car. Moi, j'aurais pas boxé. Non, j'allais au bout avec mes Ok, médiums. ok. Ouais, Je les j'aurais avais ouais, t'y battus allais. trop vite. Moi, clairement, j'allais au bout. Mais Wolf, t'as dû finir à 20 À tours au moins sur 8-10. tes médiums. Ouais. Ouais, c'est Oui, bon. parce que j'ai box tour 18, dessus je pense 19. Et j'étais jusqu'au 35ème. Ouais. Ouais, putain. Ça Ah, se bah ça fait. va en Tex, vrai. il a fait beaucoup de tours sur les médiums, en vrai, ça se faisait. Après, c'est pas évident non plus, mais ça se faisait. Mais Tex, il spin tout seul. Tex, Il a il pris un prend un drive-through. drive-through surtout, malheureusement. C'est Ouais, Alex, je pense, qui a spin tout seul. Ouais, je crois que Non, le pas drapeau, il a McLaren. sorti de sa course, en fait. Non, Je mais Tex, pense. il a NT, il a pété. Après, oui, il a abandonné, mais je pense que le drive-through, il s'est dit, vas-y, laisse tomber. Ah, il a ça à la sortie de sa course, mais il a pas spin. Il a spin à la Si, il a chicane. spin tout seul, il a spin Safety. devant Ouais, moi. sous safety. Ouais, tout à fait. Ah, c'est dur, putain. Ouais. À la Ah, c'est réaccélération, il a spin, il a tapé le mur. dur. Mais la chicane du mur des champions à la fin? Bah, 2 km heure. Deux kilomètres heure, j'ai Faut dit pas prendre jamais de de la risques, vie je prends. Ah, jamais de la hein. vie je prends mon troisième avertissement. Voilà, c'est ça. Ou si c'est pour que le mur il Ah t'accueille à la fin, c'est pas ouf. ah non, c'est mort quand je le prends. Ouais, tu Ah m'étonnes. putain. La relance, j'étais content, j'avais réussi à mettre un gap de 1 seconde 2, je crois, à la relance. Ouais. Mais À un moment. j'ai fait exprès, frérot. Deux. De laisser un gap. Je savais que j'avais des softs neufs. Je me suis dit, Ah ouais, ça. je vais pas prendre le risque de rester collé à Kepeda, pas voir le Ouais. point de freinage et prendre une péna, tu vois. Donc j'ai dit, je vais le laisser partir, c'est pas grave. De toute façon, avec les softs neufs, quoi qu'il arrive, je vais revenir. T'avais 14 tours déjà. Et j'ai failli spinner un moment en plus. Et quand t'as spin, full ERS, go go go. Mais franchement, t'as été intelligent et t'as été ultra fair play, je tiens à te le signaler, mec. Ouais, franchement, Merci. super. Ouais, vous Parce aussi. que non, T'aurais pu me mais fermer la porte fort ouais, quand je t'ai dépassé, non, franchement, c'était non, beau. c'est pas le but. C'est une intelligence de course de ouf que t'as eu parce que C'est ça. t'es réserviste. Ça veut pas dire que tu dois, excuse-moi entre guillemets, donner ton cul, tu vois. T'es Ouais. réserviste et t'as compris que ça servait à rien de forcer à deux dans le Ouais, j'ai pas freinage tenté alors des que t'as trucs impossibles, quoi. des médiums usés contre. Non, Non. franchement, belle intelligence de course, parce que bravo, Merci. franchement. Ah, j'aime bien entendre ce genre de commentaires. Ça, Non, c'est vrai. j'aime bien ça. C'est vrai, mec. C'est vrai. Puis même pour la qualité du casque, tu vois, tu préfères voir un mec intelligent plutôt qu'un boucher des C'était idées. en Ah, mais ça, stream? c'est clair, ça. Ah, mais ça, tous les jours, Ah, comment ça, Ah, c'était ça, en on a fait le stream? bonheur de Terre Zéro, là, tracasse pas. Il y a Ah, 100 sens. T0, il était en stream. Ouais, tout à fait. Ah, ouais. Ah, il y a Ah, 100, 150 specs, hein. ok. Tout le monde a vu ton mouvement. Oh, l'abuseur. Oh, l'abuseur. Bon, Si j'ai seulement, abusé un frérot, peu. après. Mais non, on n'est pas là Ça va encore. venir, Terre Zéro, je te jure. Tiens, toi aussi, je tiens à te remercier parce que du coup, c'est peut-être la dernière fois qu'on se castait, tu vois. Et merci pour ton taf, mec. Ah, t'inquiète. Tu passes en Ligue B, toi? Merci, mec. Ça Yep. fait plaisir. Inch'Allah, un jour, je te rejoins. Pour rouler, D'abord, ça me va. frérot. D'abord, Ça me moi, va, les mec. mecs. D'abord, D'abord, ça me va. vous. Ensuite. D'abord, la Ligue C. La Ligue. Ah, Non, la Ligue D. ça. Après, Ça on me verra. va P3, C'est putain, un elle est peu belle, déjà hein. titulaire. Non, On en s'est pas vrai, entraîné pour rien, Sparker, mon frère. tu vas beaucoup nous manquer. Franchement, t'as fait un super taf jusque-là et ça fait chier que tu te barres, mais voilà, t'auras toujours ta Ah, place chez c'est nous. chaud. Tu le sais. Ah, j'aime bien entendre ça, putain. Ouais, franchement, j'aime Alfa bien, Romeo un franchement. jour, Alfa Romeo toujours, putain. Ouais, j'ai jamais eu de coéquipier comme toi et franchement, à 2 mètres, je signe pour faire une saison avec toi. Arrête. Eh, ça le Je va. te Je... jure. Moi, je suis un mec fragile, je vais chialer. Je te jure. Ah. Ouais, franchement, que du meilleur en Ligue B, frérot. T'es un bon Merci pilote, les boys. t'as les pieds sur terre de fou. C'est Franchement, clair. que du bon pour toi, frérot. Dans la vie Ah, et sur clairement. le jeu. Maintenant, tu Oh continues le là là, taf bah, bon, en. Tu allez, continues les le gars, je taf. vais Tu quitte parce que continues je le vais taf en chialer. Ligue B. Allez, hop. Non, Je mais vous fais non. des grosses bises et vas-y, je vous laisse.
débriefer. Ça marche. Ouais, Annie, elle reste des avec bisous, ma main. Bonne continuation. Merci encore. Salut. Et qu'il soit une les peace. Boys. Ciao, ciao. Ciao, ciao. La piste passe sur moi. Ah, il bon, va manquer aussi, le bug. Il va manquer le bug. Salut. Vas-y, Wolf, c'était cool. Merci, mec, encore. GG encore à toi et à lundi prochain. Inch'Allah. Bah, vous aussi. Bonne nuit, bonne en soirée. Espérant. On espère. Hein. Si on oui. se revoit ici, c'est que t'auras fait une bonne course encore, frérot. Donc, Inch'Allah. Allez. Allez, bonne nuit, bonne soirée, mec. Salut, Sophie. Allez, bonne soirée aussi à vous, les gars. Merci pour les casts encore. Bah, y a pas de souci, mec. GG encore et bonne soirée, bonne nuit. Merci encore, bonne soirée, GG. Les gars. Inch'Allah, pareil. Hein. Ouais, c'est ça, on va bien voir. Maintenant, hein. Il y a la trêve maintenant, donc. Ah, la trêve, c'est la semaine prochaine. Je crois qu'on a une trêve, ouais. Ok. Ok, ok. Heureusement que tu me le dis. Bah, allez. Merci, mec. Je me tiendrai informé quand même. Rien. Allez, bonne nuit, bonne soirée encore, GG, frérot. Bonne soirée, ciao. Ciao, ciao. Merci. Bon, c'est définitif. Moi, je vais postuler en tant que pilote à la BMW, même si c'est sur PC, PlayStation, Ligue E, Ligue F. Moi, je vais rouler. Je vais rouler et continuer de casse le lundi. J'aime bien. C'est lourd. Je commence à prendre goût au bail. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et moi, je vais vous laisser là. Tu vas commencer en Ligue Q. Ah, voilà. Et apparemment, il y a tellement de monde, gros. Il y a tellement de monde. Waouh. Waouh. Voilà les réservistes en Ligue, bah déjà en Ligue C, parce que moi j'ai vu beaucoup de réservistes déjà, en Ligue D aussi, apparemment ils veulent faire une Ligue E, il y aura une Ligue F après, et des noms ça fait peur, ah de foulec, waouh, incroyable, incroyable, et là tu peux pas juger la qualité du micro frérot, en plus il y a un petit filtre dessus tout ça, il y a pas un petit filtre sur ma voix là. T'entends pas, c'est pas ma voix naturelle. Ah, le son, il est parfait quand même. Ah, mais frérot, heureusement, parce que à reposant même carrément, énervé. Ah, parce que frérot, là, je t'explique là, nouveau micro, Blue Yeti, frérot. Même pas. Je vais réécouter la rediff pour voir, mais j'ai l'impression, genre de ce qui est, du peu que j'ai écouté, le filtre que j'ai mis et le niveau du micro, ça m'a l'air d'être moi. Moi. Nickel. J'ai même pas besoin de parler fort. J'ai même pas fait de l'ASMR. À quoi je joue? À quoi je joue? Bref, moi je vais vous laisser. C'était encore une fois un casse de ouf. Incroyable. Les pauvres pilotes qui vont voir la rediff. Mais ils vont pas aller jusque là, frérot. Déjà, s'ils vont jusqu'à l'interview, voilà, c'est bien. À mon avis, ils vont pas jusqu'à l'interview. Et voilà. J'avoue, vu comme ça. OSR, oh merde. Oh, je pensais qu'il y avait personne. Ça va être diffusé sur YouTube, fais gaffe. Oh là là. Oh là là. Moi, je prends ça comme des menaces, carrément. Moi, je suis pas fan, là. Faut pas mettre ça... Faut pas mettre ça sur YouTube, les gars. Ah ouais. Parfait, alors. C'est ce qu'on veut, ici.
La bonne humeur. ASMR Late Apex. Ça, je vais créer ça comme catégorie sur Twitch. Sous. En plus, bientôt, je vais isoler ma chambre aussi. C'est stylé. Encore merci à toi pour le cadre. C'était top une fois de plus. Et serre, frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je fais du mieux que je peux. Hein. Il y a du bégayage à droite, à gauche, tout ça. Je fais au mieux. J'avoue, je casse pas trop en plus à côté pour m'améliorer. Mais faudrait que je continue pour essayer de m'améliorer. Parce que des bons casters, ça peut toujours servir. Même en event, un jour, si j'arrive à grossir de ouf, chala. Mais vas-y, là, je commence à être déter. Ça va se mettre à bosser. Et voilà. Ah, c'est sûr, je peux pas prévoir. Mais il y a des petites choses que je peux corriger quand même. Mais vas-y, on va faire au mieux. On va faire au mieux. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même Galette qui est ingénieur de course, tu vois. Genre, plein de trucs comme ça. C'est trop stylé. Moi, j'aime trop. J'aime trop. Mais vas-y. Je vais continuer de cast. Et moi, je pense que pour l'instant, il y a une solution. C'est que je rejoigne une ligue sur PC. On va voir. Hein. On va voir. Mais peut-être sur PC. Bon, je te retiens pas plus, mon ref. Ah, mais t'inquiète, ma man. Il n'y a pas de souci. Un cast à la hauteur de mon avenir, c'est-à-dire inexistant. Ça marche. Y a pas de souci, frérot. Y a pas de souci. Vas-y, ça marche. Bah, prochain GP ou alors sur le stream de Steve ou sur mon stream, moi, Galette. En plus, demain, il y a la Ligue A. Moi, je regarde en général un peu. Donc, vas-y, y a pas de souci. Mais y a pas de souci, Kiss Love and Peace. Merci d'avoir suivi le stream, frérot. Des bisous. Bon courage pour les cours demain. Et bonne nuit. Kiss Love and Peace. Merci pour le soutien, frérot. Ça fait plaisir. Et Serre, merci également pour le soutien. Je vais vous abandonner. Même si j'ai pas stream aujourd'hui que je voulais stream. Mais Liga aussi, je fais l'ingé. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Il roule demain, Sinaï. En plus, il est passé tout à l'heure, Yanis. Je n'ai même pas dit bonjour, je suis un bâtard, moi. Il a passé, il m'a dit la pole. En combien? Attends, attends, il est passé, il a dit la pole. Non, il a dit minute d'or. Après, il est repassé plus tard. Il m'a dit la pole en combien? Que Dieu les guide, je crois, un truc comme ça. C'est ouf. Ligue A aussi, je fais l'ingé, les deux alpha et Sinaï. Ouais. Attends, 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 Sinaï, il est chez Al. Non, il est chez Féfé en Liga. Ah non, il est réserviste. Il roule où demain le poteau Sinaï? Eh ouais, moi je vais vous abandonner ici. Chias, ok, demain il roule Chias. Ok. Bah si vous croyez tous les deux que c'est Chias, je pense que c'est Chias du coup. Ah ok, Académie Ferrari, le pilote Sinaï. Ok, ça marche, ça marche. Je vais vous abandonner là, les gars. Je vous remercie pour le soutien. Je vous remercie énormément, ça me fait grave plaisir. Je vous fais des zoubis. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis quoi encore? Je vous dis à très vite. À la semaine prochaine ou à la semaine d'après. Des gros oubis. Bonne soirée. Bonne nuit. Il n'y a pas de souci pour le casse. À très vite. Et puis, Kiss Love and Peace du coup. Oh, Cyriel. Mais non. Bonne soirée, le sang. À demain, sûrement. À demain, carrément. Des bisous, Cyriel. Kiss Love and Peace. Kiss Love and Peace à tout le monde, carrément. Des gros, gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Scabrion! Bébé, tu sais, pour ton avenir, fais ce que tu veux.
tous étaient gosses, on voulait jouer les gangsters. Fallait qu'on fasse plus jeune ce que faisaient nos grands frères. On se rejoignait en quittant la maison, teste le ouinge, l'alcool et ses effets. Bébé, c'est toi qui as raison, si tu l'as jamais fait, c'est toi qui les baisse et les seuls dans leur coin. T'es pas comme, c'est pas comme un dealer, t'en as pas besoin. Bien sûr qu'un jour tu vas goûter, t'auras ton avis là-dessus, te laisse pas te faire envoûter par des mecs un peu de choix. Qui font ça pour la fame, qui font ça pour être frais. Ils pensent que faire ça plutôt te rend plus à la mode. Mais ces gars-là, on les connaît, c'est des connards, c'est des collègues, alors que c'est toi la fraîcheur de l'école. J'pourrais pas donner des conseils, j'écoutais pas ce qu'on me donnait. Seulement plus t'écouteras ton cœur, plus ta vie sera folle, j'te le promets. J'pourrais pas donner des conseils, j'écoutais pas ce qu'on me donnait. Seulement plus t'écouteras ton cœur, plus ta vie sera folle, j'te le promets. Bébé, tu sais, pour ton avenir, fais ce que tu veux. Si tout de suite tu veux pas grandir, attends un peu. Lève le pied, ne regarde pas les autres faire. Fais ce qu'il te plaît, personne doit se mêler de tes affaires. Non bébé, j'ai bien dit personne, personne. Se mêler de tes affaires, non. Personne, 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 personne ne doit se mêler.